Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous envoie plein de gros bisous. J'espère aussi que vous avez passé une superbe journée et tu connais la suite. Si ça ne va pas, ça ira mieux à la fin de cette vidéo. C'est parti. Mais c'est vraiment, vraiment un petit peu dégueulasse. Hein. Mec, il y a une porte. T'aurais pu te mettre devant la... Mais mec, ton cerveau, tu l'as laissé à la maison? Přemýšlel jsem, co koupit na boji s dezinformátorama, no, tak jsem přijel What? Podle bazoše. Alors, il y a vraiment des gens qui ont des trucs chelous dans leur jardin. Non, mais ça, c'est ton daron qui veut rien jeter, il veut tout garder parce qu'on sait jamais, hein, ça peut servir. Hein. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Un avion qui est en train de passer et son pote a saisi l'opportunité de lui en f*** une dans la gueule. C'est beau, l'amitié. Oh non, c'est trop mignon. Il est en train de kiffer un petit massage. Oh non, c'est trop adorable. T'as des animaux, quelquefois, ils ont des comportements d'humains. C'est un truc de fou. Oh my god. Mustang Fastback, mais la plus belle voiture de tous les temps. Tu pourras venir avec tous tes arguments, avec toutes tes Ferrari, avec toutes tes Rolls, tous tes Lambeaux. Je m'en fous. Pour moi, la Mustang Fastback de 1967, et cette année précisément, mais c'est un bijou de l'histoire de l'automobile. Genre, c'est la voiture de mes rêves. Le jour où je conduirai, non, je la conduirai même pas, je la regarderai, je l'admirerai, je serai la plus heureuse au monde. Pas mal. Ah ouais. Oh non, je veux pas voir le dessin de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait flipper. Non, le poisson, il va faire un truc en mode piranha. Voilà, lui, complètement normal. Je pense pas que Disney va te... Voilà. Ça fait un petit peu flipper pour Disney quand même, hein. C'est de pire en pire! Il aurait dû aller bosser pour Tim Burton, le mec, pas pour Disney, hein! Oh non, 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 c'est censé être mignon! On dirait un Groot en fin de carrière! Voilà comment détruire ton enfance en 5 secondes. N'empêche, le mec, il est hyper, hyper talentueux. Je suis admirative de son talent. C'est un truc de malade. Mais c'est génial. Mais tu t'imagines d'être à l'académie de dessin de Walt Disney? Mais c'est... Et puis après, tu as ça. Voilà. Tu as cette magnifique œuvre d'art ici présente. Ça focus pas, donc je vais vous la mettre, sur le côté. Voilà, comme ça vous allez pouvoir admirer cette merveilleuse œuvre d'art faite par moi. Voilà, on m'a pas aidé. Hein. Voilà, j'ai réussi à faire ça toute seule. C'est merveilleux. Mais bon, je sais quand même faire 2-3 petits trucs quand j'étais malade et du coup j'étais coincée soit à la maison, soit à l'hôpital. J'ai commencé à faire des mandalas. Genre, j'étais obsédée par ça. Donc je vais vous mettre 2-3 petits dessins. Voilà, comme ça vous allez voir ce que je faisais pendant le temps libre imposé que j'avais, parce que je pouvais rien faire. En fait, le traitement me donnait un petit peu envie de gerber. Pour ceux qui ne savent pas, bah, j'ai eu une leucémie. Aujourd'hui, je vais très bien, merci, tout va très très bien. Mais quand j'étais malade, c'était pas ouf. Hein. Il y avait beaucoup de temps à tuer. Wow! Ah mais alors, elle doit avoir des abdos, même sur les implants. Tu vois, genre, elle a le six-pack, il est pas que sur l'abdomen, il est aussi sur les seins. My God. Ça, juste petite question comme ça, hein, entre toi et moi. Tu trouves pas que ça fait un petit peu beaucoup? Non, mais là, genre, tu caches le haut du corps, tu vois. Genre, moi, tu me montres que le haut du corps, ou de dos, voilà, voilà, tu me la montres de dos, mais on dirait un mec. Et t'as des mecs, c'est des chochottes, hein, comparé à elle, hein. Enfin, je dis elle, mais aujourd'hui, voilà, on sait pas, il faut pas juger, hein, ça se trouve, c'est pas elle, hein. Voilà, voilà. Et ben, il y a quelqu'un qui, voilà, elle a pris de la potion magique, hein, c'est comme Obélix, hein, elle est tombée dedans quand elle était petite, hein. Shakira,
Shakira, mais Shakira, non. Laisse tout. Wow. Magnifique, bah, elle a bien changé Shakira, elle a pris 2-3 petits kilos là en trop. Petite coloration rousse, pas sûr que ça lui aille vachement bien, hein. Je suis pas très fan. Hein. Puis faudrait peut-être penser à lifter un petit peu tout ça, tu vois, genre juste tirer un petit peu, hein, juste que ça reste quand même un petit peu naturel, mais voilà, faut un petit peu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de nourrir quelque chose. Ah, c'est en train de sortir. Mais allez, là, c'est quoi? Merci, merci beaucoup. C'est gentil, mais punaise, mais cette blague, elle vieillira jamais. Arrêtez avec ces transitions. Et là, t'as tous les gens qui sont végétariens ou véganes qui sont comme ça en sueur devant la vidéo. Hashtag larbe. N'empêche, ça avait l'air vraiment appétissant. Pour une fois que je peux dire bon appétit, bien sûr. Dans le bon sens du terme, c'est rare. Algún problema, estúpida. Ça, c'est les meufs là qui parlent comme ça. Mais t'as un problème avec moi? Mais c'est quoi ton problème? Mais c'est quoi ton problème? Je peux pas le faire parce que moi, ces meufs là, tu vois, quand elles, tu commences à te disputer avec elles et qu'elles te sortent le petit mouvement de tête là comme ça, mais moi j'ai envie de. Mais t'as... Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai choisi la violence. Oh, la taille du miroir. Voilà, magnifique. Cette couleur lui va extrêmement bien. Hein. On dirait un flan. Petite question, de quelle couleur était le pot de fleurs qui était derrière elle? Vous n'avez pas le droit de remettre en arrière. Ne retournez. Voilà, c'est trop tard. Et bah pour ceux qui trouveront la bonne réponse, et bah je ne vous croirai pas. Voilà, je suis sûre que vous êtes retourné en arrière pour aller regarder. Arrêtez de mytho. Oh, j'ai flippé. Wow. Oh non, j'ai déjà vu des vidéos comme ça similaires. Mais quelle horreur, mais ça me stresse. Mais cette vidéo, elle est trop satisfaisante, genre c'est que des wins. What? Non! Eh mais ça va tellement vite que je sais pas quoi dire. Eh bah nickel! Mais quelle efficacité! Mais c'est tellement bien, d'habitude tu vois que les versions ratées. Non, il a réussi à mettre en charge le portable. Mais t'as des gens, ils font des trucs de malade. Je peux pas imaginer le nombre de tentatives, les gens. Mmh. Impeccable. Genre, ça va tellement vite que je sais pas quoi dire. Non, 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 mais non. What, c'est quoi ce truc en ballon? En ballon, en moto, il était pas sur un ballon le mec. Il faut que j'arrête de rester comme ça en regardant les vidéos parce qu'on dirait vraiment une gogole qui reste comme ça depuis tout à l'heure. Mais non, il voulait absolument rester avec toi et toi t'as fermé la porte. Eh ben voilà, eh ben tu es obligé de le supporter. GTA dans la vraie vie. Mais c'est tellement bien fait, mais c'est trop bizarre ce genre de vidéo. Genre t'as trop l'impression que c'est un jeu vidéo, c'est un truc de fou. Les mouvements des mecs et tout, c'est génial. T'as comment il court le gars derrière? Trop bien fait. Ça a l'air tellement réaliste. Enfin, je sais même pas quoi dire. Ça a l'air réaliste ou on dirait un vrai jeu vidéo. Là, mon cerveau, là, il est bloqué. Le mouvement comme ça de tête.
trop bien fait. Je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais alors je sais plus laquelle c'était. Hein. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent toutes les vidéos vont s'en souvenir. Le seul truc que je sais imiter des jeux vidéo, c'est la démarche des prostituées dans GTA. Voilà, belle réalisation. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, donc si quelqu'un sait dans quelle vidéo c'était, bah laisse un commentaire, sinon on va pas se mettre à regarder toutes les 3000 vidéos que j'ai déjà postées. Hein. Ça va être compliqué. Hein. T'as bien fait d'acheter un gravel pour ça. Eh bah, moi, j'essaierai pas en Vélib. Alors, je sais pas si certains d'entre vous vous êtes déjà promenés en Vélib. Non, mais ça fait 40 kilos le vélo. C'est un truc de fou. Alors, le gars, mais bravo, mec. Hein. Mais bravo. Et heureusement qu'il s'est pas pris un métro dans la gueule. Oh là, il a pas l'air hyper amical, hein. Eh bah, quelquefois, le métier de vétérinaire est pas si simple, hein. My god. Bah, bon courage. Hein. Non, mais là, zéro chance, mon gars. Zéro chance. Ah. C'est deux jours plus tard. Ça fait trois semaines, en fait, que le chat, il est là. Il a toujours pas fatigué. Hein. Eh bah, voilà, bah, c'est cadeau. Il lui pisse dessus. C'est génial. Ouais, là, dire qu'il était méchant aujourd'hui, c'est très petit. Hein. Oh, mon Dieu. Mais tout ça pour lui couper les ongles. Tu te fous de ma gueule. Je pensais qu'il était chez le veto, moi. Non, mais le maître, il est où? Où c'est son maître? C'est pas possible que ce soit son maître, non. En plus, les griffures de chat, mais ça fait tellement mal, ça pique à mort. Ah, oh, c'est mini. Eh ben, chacun avec l'amour de sa vie. Hein. Eh ben, lui, il va être copain avec le chat de tout à l'heure. Hein. Imagine te réveiller le matin avec cette vue. J'y ai cru, hein. Moi je m'attendais à voir le paysage de malade, genre je sais pas, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, un truc de ouf, le Tibet, je sais pas. Ouais, le Décathlon, je m'attendais pas à ça, non. S'il vous plaît, pitié, par pitié certain, on est en été. Qui dit été, dit forte chaleur, transpiration. Allez vous laver! Mettez du déodorant, Seigneur Dieu! De préférence celui-là, là, astic. Pas spray, ça tient mieux, ça astic, ça, la bille, là. Lavez-vous avec de l'eau bénite. Sinon, ça sera Satan lui-même qui viendra vous laver en personne, tellement que votre odeur, elle est rock'n'roll à certains, là. Y'en a, on reste la journée avec vous, vous faites un mouvement brusque, d'un coup, ça sent le fac au cher. Y'en a, vous sentez le centre-ville de Martigues, vous sentez la marée basse de Dunkerque, vous sentez le sac de foot, vous sentez Montreuil. Montreuil. Oh. Grosse force à ceux qui prennent les transports en commun en été. Hein. Ceci devrait vous donner une raison supplémentaire de passer votre permis. Une dinguerie, ça. Tu rentres dans une pièce où il y a un peu de monde, il y a une odeur acidulée bien salée, là, qui vient te boxer le nez bien comme il faut, comme Mohamed Ali, là. Une odeur qui vient te faire un pressing aussi intensif qu'un défenseur droit de Torcy. C'est pas pro. C'est pas pro du tout. Il est 19h27. C'est un dur la vie, hein. Le mec je pense qu'il était à bout, hein. Sincèrement, mais je vous ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos que j'avais une pote, enfin c'est pas une pote, c'était genre la meuf qui était assise à côté de moi en classe. Le lundi matin à 8h, ça chmoutait sa mère. Et bah ses décès sans leçon, c'est moins impressionnant. Voilà, on a Angus à bout de force. Voilà, il est à bout là. Il a tout donné. Hein. Premier concert AC/DC à ASMR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !